la perspective des questions socialement vives sur des questions de développement durable. Euh, en introduction, un petit point d'histoire. Les questions socialement vives sont une thématique qui est née au, cours, au début des années 2000 à conjonction du travail de deux équipes. Une équipe de Toulouse avec Laurence et Jean simoneau et une équipe d'ex-Marseille avec Alain Legardez, moi-même, et Yves Alpes. Je vais vous proposer euh, trois temps dans cette présentation. Le premier, on essayer de définir ce que nous entendons par questions socialement vives. Le deuxième, ce sera expliquer ce qu'est la perspective didactique des questions socialement vives. Et la troisième, c'est essayer de vous présenter une grille d'analyse de ces questions socialement vives dans l'enseignement et la formation. D'abord, la définition d'une question socialement vive. En fait, deux temps. Premier temps, une question peut être vive dans la société. Alors, ça veut dire. Que c'est une question qui interpelle les représentations et les pratiques des acteurs sociaux. Ensuite, qu'elle est considérée par un enjeu par la société ou par une partie de la société et qu'elle suscite des débats qui sont souvent avivés par les médias. Vous l'avez compris, c'est évidemment le cas pour des questions qui sont autour du développement durable. Deuxièmement, dans les savoirs de référence, c'est-à-dire ce à quoi se réfèrent les les enseignements ou les formations donc une question est dite vive lorsqu'il y a des débats et des controverses entre les spécialistes des champs disciplinaires par exemple des scientifiques euh, sur euh, par exemple la transition écologique sur euh, le changement climatique et lorsqu'il existe des débats et des controverses entre les acteurs des pratiques sociales en l'occurrence des acteurs politiques, des acteurs associatifs etc, etc. On pourrait dire que plus une question est vive dans la société et plus une question est vive dans les savoirs et les pratiques de référence, alors plus elle est potentiellement vive dans l'enseignement et la formation. Avec les conséquences suivantes, double conséquence une question socialement vive se poserait des problèmes à l'enseignant, enseigner des questions qui seraient considérées comme trop chaudes et donc en quelque sorte dangereuses pour. Euh, euh, la forme scolaire pour la tranquillité de l'enseignant euh, je prends l'exemple d'un débat sur par exemple le, le nucléaire dans un, une école ou de la banlieue enfin de, de la région de Fessenheim on peut penser que ça peut provoquer des problèmes que l'enseignant n'aurait pourrait pas euh, gérer deuxièmement autre risque le risque d'apprendre pour les des élèves sur des questions qui seraient trop impliquantes par exemple là dans l'exemple que je viens de prendre, des élèves dont les parents seraient écologistes et d'autre côté dont les parents travailleraient à la centrale. Deuxième temps, sur l'ordre didactique. Qu'est-ce qu'on entend par didactique Je donne une rapide définition. La didactique considère que les particularités des savoirs enseignés déterminent les modes d'apprentissage, les conditions d'apprentissage et les modèles d'enseignement. C'est-à-dire que sur une question qui est vive alors il pourrait y avoir des problèmes partiellement spécifiques pour l'enseignement et la formation. Également, je propose une typologie des questions socialement vives pour, ne, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce que nous considérons comme une perspective didactique. D'abord, une question socialement vive peut l'être dans la société, dans l'ensemble de la société. Prenons le développement durable, qui est notre thème. Le développement durable, donc, c'est une constante actuellement du discours social. On en trouve partout, tout le monde en parle. Deuxièmement, ces questions, cette question peut être dans le système éducatif, c'est-à-dire que cette question soit désormais intégrée et elle l'est dans l'ensemble de l'enseignement de la maternelle à l'université. Ensuite, dans le champ scientifique, on peut considérer, et il y a évidemment, des travaux sur des questions de développement durable, transition énergétique, climat, etc., etc. dans l'ensemble du champ, enfin dans de nombreux champs scientifiques. Quatrièmement, c'est une question qui peut être inscrite euh, strictement dans l'éducation à travers des curricula et des référentiels. C'est actuellement ce qui se passe avec une généralisation de ces questions dans les disciplines et hors disciplines, par exemple dans les éducations A, dans des projets, etc. Et enfin, les questions socialement vives peut être à ce moment-là étudiées du point de vue didactique, des conditions de son enseignement et son apprentissage. C'est pour ce qui nous concerne la perspective sur laquelle nous travaillons, mais qui intègre les perspectives précédentes. Pour terminer, troisième étape, les, une sorte de grille d'analyse de ces questions socialement vives dans l'enseignement et la formation. Vous voyez là les références, d'une part, on en a parlé, les, dans les élèves, chez, dans le, le, le petit carré où il y a les élèves, c'est-à-dire les savoirs sociaux des élèves, qu'est-ce qu'ils amènent dans la classe, dans la formation, de ce qu'ils ont. De leur, autour de leur famille, de leurs copains, etc. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils importent en quelque sorte dans la classe, dans l'école. Arrive la première étape, c'est ce que nous appelons l'étape de l'expertise, c'est-à-dire comment sont construits, comment sont produits les curricula, les programmes, etc. Eh bien, ils sont produits d'une part en faisant référence à ce qui se passe dans les sciences de référence, par exemple, dans les pratiques sociales dans les pratiques professionnelles, et également, et là le trait est en pointillé, parce que ce n'est pas automatique, parce que les, ceux qui font les curricula et les référentiels pensent qu'il est enseignable aux élèves. Deuxième étape, c'est l'étape de l'enseignement, c'est-à-dire le travail du professeur ou du formateur. Il se réfère obligatoirement, tout au moins dans l'enseignement, à des curriculums, à des directives, des injonctions, etc. Et plus ou moins proche, c'est ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Et il peut également faire référence directement eh bien, à des savoirs, à des pratiques euh, qu'il il veut et qu'il peut utiliser. Il fait ou il peut également faire référence à ce qui lui semble apprenable par ses élèves. Troisième étape, c'est l'étape de l'enseignement-apprentissage, c'est-à-dire ce qui a été préparé par l'enseignant ou le formateur et décliné en fonction des contraintes. Donc il va y avoir des savoirs, des pratiques et des valeurs, puisque sur ces questions-là, les valeurs sont incontournables, et une partie, toute ou tout partie, toujours une partie, de ces savoirs, ces pratiques et ces valeurs seront apprises. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ces savoirs appris resteront. Et enfin, et c'est une étape que nous avons rajoutée sur des questions citoyennes, c'est-à-dire très largement des questions socialement vives, de développement durable, mais plus généralement des questions citoyennes, c'est que l'objectif est que ces savoirs, ces pratiques et ces valeurs soient intégrés en quelque sorte dans le, le savoir global des élèves, et que ce soit ensuite réexporté en quelque sorte dans le savoir citoyen. L'objectif étant qu'il y ait non seulement un citoyen, un jeune citoyen, Instruit, mais également critique et enfin engagé. Voilà en gros euh, ce que nous proposons comme, comme stratégie didactique et comme grille d'analyse, euh, et qui est d'ailleurs utilisée de plus en plus par un nombre, de cette manière-là ou d'une manière un peu différente, par une, un nombre important de chercheurs et d'enseignants.